Bonsoir à toutes et à vous tous et merci d'être avec nous. C'est la rentrée sur 01net TV, cette rentrée 2017 qui s'annonce exceptionnelle encore une fois. On est ravis de vous retrouver. On espère que vous avez passé de bonnes vacances et en ce jeudi soir, c'est reparti. Comme chaque jeudi, vous le savez, 18h-18h30, c'est 01 Live Hebdo. Jérôme, bonsoir. Salut François. Et comme chaque année, j'ai envie de dire, on se retrouve pour ce premier 01 Live de la saison en direct de Berlin. Berlin, siège de l'IFA, l'incontournable salon consacré au numérique et aux innovations, chaque année. Alors il y a énormément de choses, hein, cette année encore, pour cette IFA 2017. Voilà, très belle ville, hein, Berlin, avec ces belles images qui ont été prises hier, où il y avait du soleil, ça c'était hier, hein, parce qu'aujourd'hui... Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On vous montrera, on vous fera des plans tout à l'heure du ciel. Ouais. C'est un petit peu plus compliqué, voilà, Berlin qui est la capitale de l'high-tech, pour chaque rentrée, donc début septembre. On est ravis d'être là. Ce gros salon, hein, qui est un salon un peu particulier, Jérôme, puisqu'il est grand public. Il faut savoir que les Allemands adorent les salons. Alors, il y a une journée, et adorent l'high-tech. Voilà, ah, si on avait ça en France, voilà. Si on avait ça à Paris, vous imaginez, vous pourriez venir comme ça, passer votre samedi pour découvrir toutes les nouveautés. Et c'est vrai que c'est l'un des seuls salons qui s'ouvre un petit peu au grand public. Alors, au menu de ce 01 Live spécial, il fait plein de bonnes choses. On va évoquer tout ce qu'on a vu et qui nous paraît intéressant à vous expliquer. Avec plusieurs invités, mais juste avant, on vous fait un petit débrief. On va parler de smartphones. Il n'y a pas beaucoup de smartphones, mais il y a eu une annonce en tout cas assez importante. Elle est signée LG. C'est le V30, nouveau flagship de la marque coréenne que vous découvrirez tout à l'heure. Un grand écran OLED, c'est la principale nouveauté, et beaucoup de fonctions liées à la vidéo et notamment à l'audio. Il est très beau ce smartphone, vous êtes en train de le voir. Autre smartphone qu'on vous fera découvrir, c'est celui de Sony. Sony, oui, qui a profité de cette IFA pour présenter un nouveau modèle. On verra tout à l'heure avec David Noguera ce qu'il a dans le ventre, ce nouveau smartphone Sony. On va parler un petit peu de télévision, parce que c'est incontournable la télévision à l'IFA. Alors il y a quelques nouveautés du côté de chez Panasonic, de chez Philips. Et évidemment, il y a les deux leaders du secteur, Samsung et LG, les deux coréens, mais qui ne présentent pas de nouveautés vraiment révolutionnaires. Hein. Ils mettent le focus sur d'autres choses, on va en parler tout à l'heure. Voilà, et puis la montée en puissance de l'OLED, hein, mais c'est ce qu'on va évoquer dans quelques minutes. Et puis François, justement, on va parler, enfin Samsung, s'ils ne mettent pas tellement le focus sur la télé, en revanche, ils mettent le paquet sur les objets, les wearables. Exactement, avec deux objets pour les fans de sport connecté, on va en parler dans un instant avec notre invité. Devinez ce qui fait l'actu à l'IFA 2017 également. C'est un produit high-tech qui a dû sortir dans les années 70. Oui. Hein ? C'est la platine vinyle. La platine vinyle revient en force, c'est incroyable. Alors il n'y en a pas partout, mais il y a des choses vraiment intéressantes, notamment chez... Et la Mythique Technics, regardez ça. Franchement, là, les DJ en herbe sont à genoux devant cette platine qui existe depuis 40 ans, je crois. Alors c'est vrai que Pépé Garcia nous l'avait présenté. Eh bien là, elle revient. Alors bon, c'est quand même... c'est pas donné, hein, Jérôme. Hein. Non, plus de 1000 euros. Hein. On expliquera pourquoi tout à l'heure. Ouais, c'est assez impressionnant. Voilà, si vous avez plus de 30 ans, vous ne savez peut-être pas à quoi ça sert. Ça, c'est pour mettre des machins qui s'appellent des disques vinyles. On va pouvoir écouter de la musique. Exactement, qui sont en plastique, c'est gravé autour. C'était Spotify. Exactement. Bon. On parlera aussi de PC ultra puissant tout à l'heure avec notre ami Aymeric Siméon, forcément. Voilà. Parce que ça, c'est sa tasse de thé. Et Christopher Siminelli de la rédaction de 01net qui nous rejoindra également pour nous faire part de ses coups de cœur et des petites nouveautés. Bref, voilà un programme très détaillé. On a voulu vous faire un petit digest en apéritif, mais restez avec nous parce que maintenant, on rentre véritablement dans le fond des dossiers avec nos invités. Et à Berlin, il y a même des piscines, mais on va vous la montrer tout à l'heure, elle est juste à côté de nous. Mais moi, j'irai pas aujourd'hui. Hein. Moi non plus. Pour débuter ce 01 Live, bien évidemment, notre question 01net Orange. Et puisque la télé est un peu star ici à Berlin chaque année, on va vous poser justement une question sur la télé. Quelle TV possédez-vous, les amis? Dites-nous quelle technologie vous utilisez. Le LED, l'OLED, le QLED, le plasma, ouais, pourquoi pas, ou... Bien, vous n'en avez aucune idée. Oui, vous ne savez pas. Vous ne savez pas quelle est la techno de votre télé, tiens. Voilà. Hein, c'est une grosse boîte très profonde, c'est du cathodique. Mais vous ne devez pas être très nombreux en avoir encore. C'est écrit Trinitron, c'est que c'est Sony, mais ça n'existe plus. Voilà, pour le plasma, ça c'est vrai que le plasma n'existe plus, mais peut-être que vous avez encore une télé plasma. Dites-le nous, www.01nettv.com pour le sondage, la question 01net Orange. Bonsoir nos invités, bonsoir Olivier Barion.
Bonsoir messieurs. Bonsoir Olivier Barrien. Olivier Barrien, représentant de la marque JBL Arman, oui. Et qui nous accueille. Nous sommes chez vous d'ailleurs pour ce live. Soyez les bienvenus. Voilà, belle ambiance, super, enfin comme chaque année, super beau stand avec plein de couleurs. Voilà, c'est très sympa. Il y a une petite piscine cette année. Une piscinette. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si beaucoup de monde s'est baigné aujourd'hui. En tout cas, elle est bien remplie avec la pluie qui est tombée, donc ça c'est parfait. On va parler tout à l'heure, Olivier, avec vous, de ces fameuses enceintes connectées qui intègrent la technologie Google Home. C'est une vraie petite révolution qui se prépare. Oui. Et Guillaume Berlemont est notre invité. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir. Voilà, Guillaume qui représente Samsung France. Toujours. Voilà, toujours. Guillaume qui est un fidèle, vous le savez, des Zéro à Live. Et avec deux nouveaux produits qu'on va découvrir tout de suite. Jérôme, c'est deux wearables. Mais on a dit qu'on parlait d'abord de télé, puisque c'est quand même la télé. Donc, quoi de neuf à l'IFA cette année? Il y avait du nouveau chez Panasonic. Regardez ces images. Panasonic qui, voilà, on va les voir, hein, je suis sûr que JD qui est aux manettes va très vite nous les envoyer. Et en fait, Panasonic joue la carte de l'OLED. Et oui, parce que c'est vrai que, on le sait, LG est aujourd'hui la marque qui pousse l'OLED, hein, qui est en train de promouvoir cette technologie, parce que ce sont les seuls à pouvoir fabriquer des dalles OLED de grande taille. Et bien d'autres constructeurs achètent des dalles OLED d'LG, c'est le cas donc de Panasonic. On le voit avec cette télé qui a des noirs très profonds et qui est HDR10+. Ils ont passé un accord avec un grand studio de cinéma, Jérôme, voilà, pour avoir une qualité encore meilleure. Inutile de vous dire que c'est évidemment magnifique, on les a vus de près, ça dépote. Mais c'est pas les seuls, hein, Panasonic. Non. Il n'y a pas que Panasonic. Hein. Ben non, il y a également Philips. Philips qui lui aussi propose un téléviseur OLED. Mmh. C'est pas le premier, mais c'est même le troisième, je crois. Cette fois-ci, ils se sont encore un peu plus appropriés la techno parce que c'est leur processeur qui fait tourner la machine. Et toujours chez Philips, la technologie Ambilight. Ils sont les seuls à faire ça à ma connaissance. Voilà, et le mix. C'est-à-dire ces couleurs qui s'affichent sur l'écran au fond. Pour... Voilà, à l'arrière. Donc il y a des petites LED tout autour de la télé à l'arrière, ce qui fait que le mur, en fait, projette les mêmes couleurs qu'il y a sur l'écran. Et donc là, la combinaison OLED Ambilight est plutôt séduisante. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que les téléviseurs OLED baissent cette année. Parce qu'en fait, LG commence à fabriquer énormément de dalles, ce qui fait qu'on trouve aujourd'hui un 55 pouces OLED, à la fois chez LG, mais aussi chez d'autres marques, à moins de 2 500 €. C'est encore cher, mais les prix baissent par rapport à l'année dernière. C'est une bonne nouvelle. Bon, des téléviseurs, il y en a aussi, on le disait, chez les ténors, Samsung, Sony, LG, évidemment, mais pas de véritable nouveauté marquante cette année. Donc, revenons aux wearables. Voilà, Samsung qui a fait une conférence hier pour présenter donc les wearables, ces petits bracelets ou montres qui nous permettent de mieux monitorer notre sport. Guillaume, donc, rebonsoir. La montre et le bracelet. Exactement, qui viennent compléter une gamme qui comportait déjà la Gear S3 qui a été présentée l'année dernière, qui est toujours en gamme, qui, elle, s'adresse plutôt aux adeptes de la montre classique. Et ici, une déclinaison avec la Gear Sport que vous voyez, et qui s'adresse à ceux qui cherchent à se maintenir en forme. D'accord. Alors, une montre qui s'appelle la Gear Sport. Voilà. Tout à fait. Parce qu'elle est... C'est vrai, quand on voit les spécifications de cette montre, elle est vraiment axée pour tous ceux qui veulent, j'allais dire, monitorer leur sport et avoir un maximum d'informations concernant leur santé. Exactement. Elle garde quand même une forme de montre classique pour qu'on puisse la porter tous les jours, mais elle s'adresse essentiellement à tous ceux qui souhaitent suivre au quotidien leur performance, leur consommation de calories, le nombre d'étages qu'ils ont monté, car c'est on pouvait déjà le faire avec la Gear normale. On pouvait le faire, mais là, elle est encore un peu plus poussée. Un exemple, notamment, elle résiste désormais à l'eau et un peu plus que juste avec la norme IP68, qui était déjà celle de l'année dernière. Là, elle va jusqu'à 50 mètres de profondeur. Et donc on peut nager avec. Et on peut même nager dans la mer, je crois. Et on peut nager dans la mer. Et c'est la première fois où on peut faire ses entraînements de natation avec un suivi, rythme cardiaque, distance, et tout ce qu'on a besoin de monitorer en exercice. Alors, GPS intégré, etc. La particularité aussi de cette montre, c'est que si vous êtes un fan de musique et vous en avez marre d'avoir à la fois votre smartphone pour streamer Spotify une montre, et bien là, tu peux directement télécharger toutes tes chansons sur la mémoire de la montre, et tu n'as plus besoin d'avoir ton smartphone pour écouter ta musique en Bluetooth. Mais on ne peut pas téléphoner. On ne peut pas téléphoner avec, ça c'est réservé à la montre classique qui est toujours donc en gamme, la Gear S3. Là, celle-ci, elle s'oriente sur le sport et la musique, car on écoute souvent de musique en faisant son exercice. Ouais. Et alors ça, le bracelet, c'est quoi? C'est la même chose mais en plus light?
Alors c'est pas en plus light, c'est la même chose mais orienté plus sport. Donc là c'est pas forcément... Mais c'était déjà sport ça Guillaume. Alors ça c'est sport-port. C'est sport c'est plus ça. Plus. Pour bien comprendre, il y a la montre classique pour ceux qui veulent une montre connectée qui est le compagnon du smartphone au quotidien. Juste après, une déclinaison un peu plus orienté sport, mais qu'on souhaiterait porter tous les jours. Et ensuite, le bracelet de sportif qu'on va mettre pour aller faire son entraînement. D'accord. Qui comprend également une mémoire interne pour pouvoir écouter sa musique et Spotify hors ligne. C'est mais voilà. La première fois, ouais. La première sur ce genre d'objet. D'accord. En gros, à part la taille d'affichage, les deux modèmes ont à peu près les mêmes fonctionnalités, hein, Guillaume. Tout hein à fait. Ensuite, c'est une question de goût en termes de design. D'accord. Tout simplement. Bel écran d'affichage hein, pour un bracelet, il y a une grande surface d'affichage. Les deux sont l'OLED hein, bien sûr. Tout à fait, super AMOLED. On a le prix ou pas de ces deux de la montre et du bracelet? Alors la Gear Sport est à 349€ et le Gear Fit 2 Pro à 129. Dispo quand? Dispo seconde moitié de septembre pour le Gear Fit 2 Pro et fin octobre pour la Gear Sport. Et alors ce qu'il y a de bien c'est que ça marche aussi avec iOS. Pas obligé d'avoir un smartphone Android pour synchroniser et pouvoir avoir cette montre au poignet. Et sinon, petite question en passant, ça marche vraiment bien ces produits-là? Parce qu'on n'arrive pas à savoir si les montres, vraiment, c'est un succès commercial ou pas, en fait. Oui, ça marche bien. Le marché mondial, lui, est en croissance cette année. Il devrait augmenter de 20%. 125 millions de wearables qui seront normalement distribués dans le monde selon les projections. Et en France aussi. En France, les indicateurs disent plus 30%. Donc en France, on surperforme même le marché mondial. Donc il y a de la demande. Les Français aiment la montre connectée. Très bien. Tant mieux. Parfait. Voilà. Si vous êtes un fan de sport, vous avez ça qui est à votre disposition avec évidemment beaucoup d'autres constructeurs qui se mettent sur ce marché. Merci beaucoup Guillaume. De rien. Guillaume, vous restez avec nous malgré tout. On parle maintenant des enceintes connectées. Alors c'est vraiment particulier cette année. Oui, on a oublié de dire qu'évidemment nous sommes en direct. Hein. Vous pouvez nous retrouver sur ZeroNet TV sur YouTube. On vous salue si vous nous rejoignez. Dernière chose, avec le hashtag ZeroNLive sur Twitter, vous pouvez nous laisser vos questions. Ce qui est le cas, Carlo qui est ravi de nous retrouver pour cette rentrée. Merci à toi Carlo. Et puis allez-y, continuez. Vous pouvez nous laisser vos questions. Hashtag ZeroNLive. Très bien. Les enceintes connectées. C'est une nouvelle génération d'enceintes connectées qui va arriver oui. Et qui va vraiment révolutionner le paysage, Olivier Barian, parce que le fameux Google Home qu'on connaissait uniquement sous forme de l'enceinte Google, on va retrouver l'intelligence artificielle de Google dans ses produits. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est arrivé à maturité sur les enceintes portables ou même de salon. Hein. Le design évolue d'année en année, mais la grosse nouveauté de cette fin d'année va être justement les commandes vocales, donc les enceintes avec commandes vocales, qu'elles soient chez JBL en tout cas, résidentielles, c'est-à-dire qui fonctionnent sur secteur, ou portables, comme les enceintes portables que nous avons aujourd'hui, qui fonctionneront sur batterie. D'accord, parce également. Qu'aujourd'hui, alors, ça fait des années que vous faites des enceintes, hein, Sherman, JBL, oui. etc. Vous, je crois que vous connaissez un peu comment ça fonctionne. on peut dire que dans quelques mois, peut-être quelques années, toutes les enceintes auront un système de reconnaissance vocale accroché. On peut faire le parallèle avec l'historique du Bluetooth sur les enceintes où il y a quelques années en arrière, on faisait encore le distinguo et c'était un élément de montée en gamme d'avoir ou non le Bluetooth dans les enceintes. Aujourd'hui, le Bluetooth est quasiment sur toutes les enceintes et demain, on peut très bien imaginer que la commande vocale fera partie intégrante de l'ensemble des enceintes qui seront disponibles sur le marché. Alors Jérôme, j'ai piqué ce qui traînait sous la table. Donc ça, c'est quoi? C'est un modèle intermédiaire? Nous avons une gamme complète. Oui, il y en a toute une gamme, c'est incroyable. Il y a trois produits. Et tout ça, ça intègre Google Assistant. Voilà, oui, il faut dire Google Assistant finalement. C'est Google Assistant, hein, c'est la technologie originale. Google Home, c'est le device de Google et oui. Google Assistant, donc, c'est la techno qui est derrière. Donc on a deux caractéristiques qui sont Google Assistant pour la commande vocale et Chromecast pour la diffusion du son depuis son device, que ce soit tablette ou smartphone. D'accord. Donc, alors, elles sont connectées en Wi-Fi, forcément. Connectées en Wi-Fi. En Bluetooth. En Bluetooth. On voit le petit logo Google Home, c'est-à-dire qu'on sait tout de suite en fait qu'elles sont compatibles Google Home avec les quatre petits ronds qui représentent Google. Tout à fait, oui. Ça va être la marque de fabrique de Google Home. Sur toutes les enceintes, il y aura ça? Alors, on reste toujours sur des gammes d'enceintes conventionnelles, fonctionnant uniquement en Bluetooth. Et à côté, on propose ces enceintes à commande vocale. Ouais. Donc c'est complémentaire. Il y en a une qui a une particularité, c'est qu'elle n'est pas branchée au secteur.
Non. C'est une enceinte Google Home, je crois que c'est la seule d'ailleurs du marché actuellement, qui marche sur batterie. Tout à fait. Alors on voit ici les trois modèles de la gamme. Les deux modèles qui ressemblent à nos enceintes nomades habituelles reprennent effectivement un fonctionnement possible sur batterie. 5 heures d'autonomie, 10 heures d'autonomie selon le modèle. Et à côté, on a une enceinte résidentielle conventionnelle, mais toujours intégrant Google Cast et Google Assistant. Donc demain, ce que disait François, j'achète une enceinte pour écouter de la musique. Avant, je devais passer par mon smartphone. Maintenant, je pourrais lui dire, OK Google, fais-moi écouter ça sur Spotify, sur Google Tout passe par la commande vocale, sachant qu'après, on peut se connecter. Plus le reste. On peut se connecter à la domotique, etc. Les lumières, contrôle de ventilation, de température. Enfin, il y a pas mal de choses accessibles derrière cette fonctionnalité. Elles vont coûter plus cher, ces enceintes ? Non, pas beaucoup plus cher en fait. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va attaquer à 169 € pour la ligne 10, 199 pour la ligne 20 et 299 pour la ligne 300. Sachant que, bon, malheureusement, avec la météo, on n'a pas pu faire des démonstrations, mais les enceintes portables reprennent toutes les caractéristiques de nos enceintes habituelles, avec notamment la norme IPX7, donc complètement étanche. On peut même les jeter dans sa piscine. D'où la piscine. Voilà. D'où la fameuse piscine. Et là, pendant quelques jours, il va y avoir des enceintes qui vont terminer dans la piscine. Ça va être horrible. Ouais. J'aimerais redonner juste la parole 2 minutes à Guillaume, parce qu'on a oublié de parler des Icon X qui sont là. Ce sont, alors, parce qu'il y a eu 3 nouveautés en fait présentées par Samsung, les 2 bracelets, enfin la montre, le bracelet, plus des petits des petits écouteurs Bluetooth. Des petits écouteurs séparés. Séparés, voilà, c'est à la mode en ce moment. Hein, pas mal de constructeurs sortent ce genre de produits. Guillaume, la particularité de cette deuxième génération, puisque vous en aviez sorti une déjà l'année dernière. Hein. C'est qu'elle s'améliore, donc on améliore l'autonomie. Aujourd'hui, on monte à 7 heures d'autonomie, donc pour ces 2 écouteurs qui sont donc sans fil, comme vous pouvez le voir, qui sont synchronisés et dans lesquels on peut également stocker directement sa musique. Donc ils sont entièrement autonomes. Directement dans les écouteurs. Exactement. Plus besoin du smartphone. Tout à fait, 4 gigas dans chaque, et ils sont donc indépendants ou fonctionnent ensemble. 4 gigas dans chaque, ça veut dire 8 gigas au total? Non, 4 gigas ensemble, puisque justement, ils vont fonctionner de pair. Mais l'écouteur droit va diffuser du son pour l'oreille droite et vice-versa de l'autre côté. Et l'autre petite amélioration, c'est qu'on a ajouté un codec qui va analyser en temps réel les interférences qu'il peut y avoir pour les contrebalancer et avoir un son plus pur. Voilà. Juste une précision, hein, il faut quand même signaler que Samsung a racheté Harman il y a quelques mois de cela, hein, je crois que c'était l'année dernière. Hein, fin d'année. Maintenant, vous êtes cousins tous les deux, hein, en quelque sorte. On est cousins, oui. C'est ça. Et il y a des synergies qui se dessinent déjà entre les deux marques. Ouais. D'accord, des synergies pour certains produits. Par exemple, on prend le S8, il est équipé aujourd'hui d'écouteurs AKG d'origine. Exactement. Bon, on est hyper en retard, malgré tout encore un petit mot à propos des enceintes. On a une question très intéressante de Rossi sur Twitter qui nous demande, est-ce qu'il existe des enceintes vocales connectées avec Alexa à l'intérieur, parce qu'on a parlé de Google Home. Oui, alors c'est vrai qu'on est un peu court en temps, mais on pourrait en parler plus longuement. Sur le groupe Harman, donc on a développé des enceintes, que ce soit sur Alexa, Cortana ou Google. Et donc on a chez Harman Kardon, c'est une autre marque. C'est Harman Kardon, une autre marque du groupe, qui propose une enceinte avec. Donc demain il faudra choisir une enceinte Google, une enceinte Amazon ou une enceinte Cortana de Microsoft. Mais peut-être qu'il y aura une enceinte qui pourra intégrer tous les systèmes, non aussi. Ça, ce sera selon la bonne volonté des fournisseurs de la techno. Entre les 3, s'ils acceptent de partager. Non, pas trop, non. On termine, Olivier, par ce petit tour de cou tressaillant que vous nous avez apporté. Voilà, ce n'est pas un bijou. Oui. En plus, je suis sûr que ça va bien t'aller. Donc, on la nomme enceinte tour de cou. Voilà. Ce n'est pas complètement une enceinte, ce n'est pas complètement un casque. Donc, ça permet d'avoir une utilisation personnelle au niveau audio, que ce soit pour de la réalité virtuelle, que ce soit pour écouter de la musique, pour regarder un film, pour faire de l'appel téléphonique également. Et tout à l'heure, vous parliez des différents types de téléviseurs disponibles. Pour ceux qui auraient encore du tube cathodique, par exemple, on fournit un petit dongle Bluetooth pour pouvoir se connecter directement avec cette enceinte. Et c'est quoi l'idée ? C'est de pouvoir écouter du son en... Voilà, c'est-à-dire que là, si on diffusait de la musique sur le tour de cou, pour toi Jérôme, François ou même nous, non, c'est très personnel et surtout pas intrusif, c'est-à-dire qu'on est encore à l'écoute du monde extérieur, de la famille, des enfants qui appellent ou autre dans la maison. Super, le prix ? 229 € disponible à la fin du mois. Et disponible à la fin du mois.
Pourquoi pas. Mais ça peut être sympa aussi très cool. En mode main libre dans la voiture. Hein. Bon, alors, également. Ah oui, c'est plutôt joli, mais c'est pourquoi pas. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup à tous les deux. Restez et avec bon salon, hein, puisque ça fait que commencer. Hein. D'ailleurs, ça commence demain officiellement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Rappelons que le salon n'est pas encore ouvert officiellement. Il ouvre demain au grand public. Restez avec nous, on parle de smartphone maintenant avec notre invité, représentante de LG, Stéphane Curtelin. Et on va parler également de smartphone Sony. Je vous rappelle que nous sommes en direct depuis Berlin et ce 01 Live vous propose de débriefer toutes les nouveautés de ce grand salon annuel, l'IFA, ici à Berlin. Jérôme, et après Samsung, après Harman, place maintenant à LG avec Stéphane Curtelin qui nous fait l'amitié d'être là. Stéphane, bonjour. Bonsoir. Stéphane. Bonsoir. Alors c'est un petit peu l'annonce vedette, en tout cas en matière de smartphone, hein. C'était ce matin. Le V30, il s'appelle le V30. Oui, exactement. Ouais. On ne sait pas d'où ça vient ce nom, ça sort d'où ? Parce qu'il n'y avait pas de V29 ni de V28. Ni de... C'est vrai, très bonne remarque. c'est la première bonne question hein, que Jérôme a. Il y en a comme ça de temps en temps dans son truc. Alors en fait, c'est vrai pourquoi que... Pourquoi LG aussi, Stéphane ? Pourquoi LG ? Alors, je vais prendre les questions dans l'ordre. Parce que... Donc en fait, l'histoire en effet de la série V commence aux États-Unis et en Corée. Et nous, en Europe, nous n'avions pas eu encore la chance de pouvoir le présenter aux utilisateurs. Et donc, en effet, il y a eu un V10, il y a eu un V20, il y a donc le V30, bon, qu'on a enfin réussi à obtenir pour le marché européen. Alors, la particularité... Ouais, ce V30, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Alors, ce V30, il est positionné pour répondre à des besoins les plus exigeants en termes de photos, de vidéos et d'audio. L'idée, c'est de pousser, repousser les limites de ce que peuvent faire les smartphones. Et il y a un usage en particulier où on est très exigeant, c'est la photo. Donc on a mis une optique qui ouvre en focale 1.6. Alors c'est, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va ouvrir l'œil du smartphone de façon significativement plus importante. Et on va également mettre une optique en verre. Jusqu'à maintenant, les optiques étaient en plastique. Stéphane, est-ce que vous l'avez sur vous, le téléphone ? Oui, on peut faire exactement, un petit plan. Alors, on le voit là, hein, puisqu'on a fait des images. Oui. Et notez qu'il y a déjà une vidéo qui nous attend sur Zeronet TV, d'ailleurs. Voilà, que tu as fait, Jérôme. Tu pourras nous dire, d'ailleurs, ce que tu en penses juste après. Hein. Il est là, donc je vais peut-être le prendre. Et Pierre va nous faire des petits plans. Donc, lentille en verre. Hein, lentille en verre, focale qui ouvre à 1.6. Qui permet ça change quoi, lentille en verre ? Lentille en verre, c'est mieux que lentille en plastique ? Oui, parce que c'est plus pur. Donc, ça va mieux laisser passer les couleurs et la lumière. D'accord. Et donc en laissant passer mieux la couleur et les lumières, ça permettra de faire des meilleures photos à la fin avec des détails plus pointus, plus fins et des couleurs plus naturelles également. Alors il y a beaucoup de choses effectivement liées à la vidéo, des modes vidéo, on peut appliquer des filtres comme on le fait en photo. Donc on ne va pas trop détailler parce que encore une fois, si vous voulez en savoir plus, allez donc regarder cette petite vidéo qui est disponible sur notre site. Une question quand même Stéphane, c'est le premier smartphone LG OLED alors que l'OLED c'est la technologie reine de LG. Comment ça se fait pourquoi ce n'est pas arrivé avant ? C'est vrai. Alors. L'OLED, c'est une technologie et ce sont des bénéfices formidables. Le seul point qui reste à améliorer, c'est notre capacité de production. Donc aujourd'hui, la priorité a été mise en termes d'usine sur les téléviseurs. Et donc maintenant, petit à petit, on peut se permettre de également produire pour les smartphones. Donc vous pouviez fabriquer des dalles pour les téléviseurs, y compris pour d'autres marques, mais pas encore pour les smartphones. D'accord. Donc on a investi là justement 2,5 milliards de dollars pour accélérer notre capacité de production sur ce qu'on appelle le plastique OLED, c'est-à-dire l'OLED plus souple pour les smartphones. Un mot, alors, comme tu le disais Jérôme, la vidéo complète vous attend sur zeronettv.com pour connaître toutes les spécificités de ce téléphone qui est très haut de gamme. Hein. Ouais. Le prix d'ailleurs est très haut de gamme, Stéphane. Alors, il sera livré avec, je ne vous ai pas donné un accessoire, mais qui a son importance, puisqu'on parlait de qualité de photo, de qualité de vidéo, on parle aussi de qualité de son. Donc il va être livré avec une paire d'écouteurs intra-auriculaires signés Bang & Olufsen, BNO Play en fait, qui est notre partenaire. Voilà, exactement. Le produit sera lui-même siglé sur l'arrière avec BNO. Et donc il sera un peu moins de 1000 euros, il sera autour des 900 euros, seconde quinzaine d'octobre, avec donc ces écouteurs intra-auriculaires. Bon, c'est une période un peu... Un peu chaude quand même hein, pour les smartphones. Là, hein. Apple va dégainer ses iPhones, il y a le Galaxy S8 de Samsung. Le Note 8, vous êtes dans une période un petit peu
de secousses. Ouais, ou du moins d'actualité forte. Il y a du monde. Voilà. Alors c'est vrai que la fin d'année est propice aussi à ce type d'annonce, puisqu'on sait que voilà, y a des gens réfléchissent un peu plus encore à la fin de l'année à se faire plaisir, à envisager de renouveler leur smartphone. Et pour les plus exigeants, on souhaite justement proposer, pour ceux qui ont l'audace de sortir du duopole des deux grandes marques que vous venez de citer, on est définitivement convaincu que là, il y a un produit pour les plus exigeants qui peut vraiment les intéresser et qui mérite plus que le coup d'œil, mais de l'essayer, de se faire son propre avis. En tout cas, un design et une prise en main très agréable, il faut le dire. On l'a essayé ce matin et un très joli produit. Bravo. Merci pour nos ingénieurs. Ils ont bien travaillé. Vous leur direz tout ça tout à l'heure. Exactement. Stéphane, vous restez là. David Noguera est avec nous de la rédaction. Bonsoir. De Net TV. Salut David. David qui, depuis ce matin aussi... On se balade sur le salon. Hein. Arpenter les allées de ce salon. Pas mal de nouveautés. On parlait justement d'un nouveau smartphone. En général, c'est pas trop l'endroit où on présente des smartphones, l'IFA. Non, c'est vrai que c'est plutôt un salon d'image. LG l'a fait, mais il y a aussi d'autres nouveautés du côté de Sony. Exactement. Avec le fameux XZ1 et XZ1 compact. Alors là, c'est effectivement le produit, nouveau produit haut de gamme qui a du coup la même plateforme technique. Je vais un petit peu rebondir sur ce qu'on vient de voir sur Snapdragon 835. Et alors avec donc ça va être de toute façon des bons smartphones bien puissants. Et alors ce modèle, donc le capteur à l'arrière 23 mégapixels, il est décliné en version compact, c'est la même plateforme technique, Snapdragon 835 à 2,4 Go, 23 millions de pixels pour le capteur photo, 4 Go de mémoire vive et 64 Go de mémoire de stockage extensible par micro SD. Donc là, pas de doute, on est quand même sur des plateformes techniques qui vont bien. Après, entre XZ1 et XZ1 compact, et forcément, il y a la taille d'écran qui change, 5,2 pouces pour le modèle classique et 4,6 pouces pour le modèle compact. On est sur des écrans Full HD. Et forcément des produits un petit peu moins chers, puisqu'on serait sur 699 € pour le modèle classique avec une dispo à peu près au mois d'octobre, et 599 € pour une dispo pour le compact un petit peu plus tardive. C'est moins cher que LG. C'est moins cher que LG, évidemment. Après, voilà, et alors il y a quelque chose qui est... On ne va pas vous balancer ça comme ça, j'imagine qu'il va falloir des spécifications. Évidemment. Ces téléphones, on ne les a pas encore testés, on vous dira évidemment ce que la rédaction de Là, je vous ai dit qu'on était sur une dalle Full HD, ce qui sera pas le cas sur Quad HD+, même, sur un ratio 18/9, donc un écran qui aura une résolution quand même supérieure. Et je reviens sur la partie appareil photo également. Voilà, on sera sur de l'optique qui est différente aussi. Ouais, sur 16 mégapixels. Ouais, nous aussi, entre on est en 23. Ouais, mais ça peut faut voir après, dans un smartphone. Oui, après, non, mais c'est intéressant parce que 23, c'est un fait. 16 avec une excellente optique, voilà, avec une meilleure ouverture. C'est là qu'on peut se poser la question, quoi. C'est-à-dire qu'on a une meilleure ouverture. Une optique de meilleure qualité, on est à 16, mais voilà, faut voir après le rendu. Bon. Alors il y a une petite spécificité, enfin en tout cas une bonne nouvelle, c'est que ces smartphones ils arrivent avec Android 8.0. Je pense que c'est la même chose chez vous aussi. Je parle bien, mais en tout cas sur le Sony c'est le cas. Il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que Sony a intégré une fonction qui s'appelle 3D Creator. Alors c'est une fonction qui utilise le capteur du smartphone pour modéliser les visages. Alors ça, j'ai essayé, c'est assez rigolo. On est sur le stand, il y a une demoiselle qui passe. Alors là, en plus, j'ai mes petits camarades qui font mumuse avec le smartphone, mais sinon je vous aurais bien montré ce que ça donne. Et donc on modélise son visage, et ensuite le but, c'est d'être transformé en avatar. Alors quand on sait que Sony a PlayStation, forcément on peut imaginer pourquoi l'avatar la suite, peut avoir du sens. D'ailleurs, ils se cachent pas, ils se disent qu'effectivement, une fois qu'on aura modélisé son visage, pourquoi pas voir intégrer son visage dans un jeu de foot, un jeu de tir. Ça c'est pour Sony. Ça c'est pour Sony. Alors bon, une partie. On termine avec les smartphones. Autre nouveauté chez Sony, c'est une autre enceinte. Voilà. On a parlé tout à l'heure de JBL qui mise à fond sur Google Home. Sony sort aussi son ancêtre Google Home. On voit que c'est une tendance ici. Depuis que c'est dispo, Panasonic. Voilà, il va y avoir plein des constructeurs qui envisagent de l'intégrer directement dans les téléviseurs. Pour que ça puisse aussi, voilà, ouais, bien sûr. Dans les lavabos aussi, d'après ce qu'on m'a dit. Ouais, c'est pas sympa dans les lavabos. Voilà, et on va y venir, j'ai encore une autre catégorie de produits où il y aura aussi du Google Home, mais du côté de l'enceinte Sony, donc c'est
la LFS50G, facile à retenir hein, comme référence. Comme d'habitude. Hein. Il y aura forcément toutes les fonctions de Google Home, que tu as d'ailleurs présenté, Jérôme, à multiples reprises. Mais, donc on va retrouver toutes les fonctions d'assistant, on va pouvoir lui demander de mettre la musique, de lancer Netflix sur son téléviseur, etc. C'est rigolo avec... qu'il y ait l'heure qui soit affichée. Voilà, il y a cette heure qui est affichée avec, avec ces petits, ce affichage LED là. La particularité de ce modèle, c'est que regardez, il y a une zone qui est pas sensible parce qu'on fait vraiment un mouvement dans l'air. Alors quand je leur ai demandé, d'accord, mais alors entre le côté capricieux de ce truc là, parce qu'on peut monter et baisser le volume et puis changer les pistes. Et l'idée est pas bête, puisque Google Home, on peut lui demander de nous donner des recettes de cuisine, et finalement, et ben, quand on a les doigts sales et qu'on veut augmenter un petit peu le volume, c'est bien de ne pas avoir à toucher son enceinte. C'est vrai. Donc la Sony, cette enceinte, on peut augmenter le volume en lui disant aussi. Oui, on peut, voilà, c'est l'intérêt. C'est vrai qu'on peut aussi lui donner l'ordre d'augmenter le volume. Alors c'est un produit qui va être quand même assez cher, parce qu'on va être aux alentours des 240-250 euros, mais encore une fois, Sony nous promet un son de qualité. Voilà. Je ne sais pas si on a des images de l'enceinte Panasonic JD que nous on a vu, qui est l'enceinte Google Home. Hein. Alors qui est aussi qui est dans cubique. Qui est cubique. Elle est cubique, qui coûte 300 euros, elle est plus chère encore. Ouais. Mais bon, évidemment, Panasonic a mis tout son savoir-faire dans la matière, dans la qualité du son. Ouais. Et évidemment, il y a cette implémentation de Google Home. Oui, et en plus, avec la possibilité de les appairer très facilement. Par exemple, vous lui demandez Google Home, fais-moi écouter de la musique sur une enceinte, ou bien sur toutes les enceintes de la maison. Voilà. Et donc vous sonorisez votre maison si vous en disposez plusieurs. Et on peut en brancher jusqu'à 7. Ouais. Et par exemple, vous pouvez en mettre 2 dans votre salon pour avoir la stéréo. Bon, c'est le multi-room réinventé, hein, cette histoire. Et moi, je leur ai posé la question, j'aurais demandé, mais quand est-ce qu'à partir du moment où on peut interagir avec son téléviseur, quand est-ce que ces enceintes pourront devenir des satellites de la télé? Et a priori, pas tout de suite. Ouais, d'accord. David, un aspirateur robot. Un aspirateur qui est lui aussi compatible aussi. Google Home. Un aspirateur. Tout à fait. Jérôme, un aspirateur Google Home. Mais c'est logique. Ouais. On pourra lui dire, OK Google. OK Google, fais le ménage. Exactement. OK Google, Google passe l'aspirateur, ça c'est le pied. Ouais. Rien que le fait d'y penser, c'est génial. Bon, cet aspirateur, c'est un produit Nitto D7. Alors, Botvac D7 Connect. C'est les références là encore un peu longues. Et on l'a vu, donc une belle montée en gamme. Alors c'est vrai que c'est un aspirateur robot. Vous savez que moi j'en teste un petit peu durant l'année. Montée en gamme en termes de qualité de fabrication, en termes de puissance aussi, et en termes d'intelligence, puisqu'il est connecté. Et la tendance, eh bien, c'est que maintenant, ces aspirateurs, ils sont connectés en Wi-Fi, et ils interagissent avec le smartphone, et ils sont capables de véritablement cartographier la pièce, et cette fois-ci on a accès à la cartographie. C'est-à-dire que sur le smartphone, on va voir, au premier lancement, l'aspirateur va se balader dans la pièce, il va scanner et il va vous restituer une carte de votre salon, de tout l'étage même, puisqu'il va, il va se balader. Et ensuite, directement sur la cartographie, on va pouvoir lui dire, bah, cette pièce-là, tu n'y vas pas, ce coin-là, tu n'y vas pas, parce qu'il y a la gamelle du chien, il y a un pot de fleurs fragile, voilà. Et donc, c'est ces interactions-là. Jusqu'à maintenant, il fallait placer des barrières, il fallait mettre des bandes au sol pour pas que les aspirateurs y aillent. Et là, maintenant, comme on voit, bah, on trace une ligne droite, et automatiquement, l'aspirateur... Enfin, moi, il y a quand même un truc qui me dérange, c'est l'histoire de dire OK Google à tout maintenant. Ouais. On va appeler tous les appareils de la maison dire, OK Alexa, Google, mais pas chez nous. Oui, non, mais il faudrait qu'on puisse les renommer au moins appareil par appareil. Et puis moi, j'aimerais bien surtout, c'est que finalement, ça arrive via le smartphone, parce que là encore, pourquoi un aspirateur Nitto, on peut lui dire OK Google et lance le nettoyage, et finalement, je peux pas le faire depuis mon smartphone en lui disant OK Google. Voilà, ces interactions-là sont pas possibles. Ça va peut-être sans doute venir. Ça va arriver. Ça. Pour l'instant, le but, c'est quand même de vendre un produit physique. Voilà. Et ce produit-là, quand même, 899 euros, disponibilité fin octobre, forcément. Alors, je sais que j'adore tester les aspirateurs robots, tu vas te faire un plaisir de pouvoir voir ce que ça donne chez toi. Si ça fonctionne bien. Ça progresse, les aspirateurs robots, depuis... Ça progresse, parce que ça fait quand même quelques années que ça existe. Oui. Wow. Au début, c'était un peu du gadget. Il y avait des brosses qui tenaient pas la route, des choses qui fonctionnaient plus sur les gros tapis, sur les moquettes. Là, aujourd'hui, on est quand même sur des produits... très haut de gamme, donc ça commence vraiment à bien fonctionner, et surtout cette intelligence logicielle va permettre de super être encore plus efficace. Merci à tous les deux, merci Stéphane Curtena d'être venu ici sur le stand d'Arman, et merci à David Noguera qu'on retrouve évidemment en vidéo sur Zeronet TV, avec pas mal de nouveautés présentes ici à l'IFA. Vous restez avec nous, c'est pas terminé. Ouais, on va encore parler de son, on va parler de platine vinyle, on va parler encore d'oreillettes connectées, et puis de petits robots. Vous restez avec nous. Mais avant cela, la question orange traditionnelle, François, on va faire le point sur la question de cette semaine.
Cette semaine, on vous demande quelle est la technologie de votre téléviseur. Est-ce de l'OLED, du QLED, du LED ou du plasma ou autre chose? Alors, je ne sais pas ce que ça donne, si on peut voir, voilà. Eh ben, c'est on du a LED dit, à 70%. Ce qui est tout à fait logique, voilà, c'est la technologie la plus répandue. OLED en deuxième position, un petit 12%. Suivent les plasmas. Les plasmas, c'est vieux, les plasmas, mais ça veut dire qu'il y en a encore beaucoup. Et pas de cathodique, alors. Non, il n'y a pas de cathodique. Pas de cathodique. Le QLED de Samsung est un peu en queue de peloton. Hein. Voilà, ouais. N'hésitez pas, vous pouvez continuer à voter sur www.01nettv.com. Émeric Séméon nous a rejoint. Salut Émeric. Bonsoir à tous. Bonsoir Émeric. Et Christopher Similelli. Bonsoir à tous. Tout bronzé Christopher. Bah, comme vous. Bah ouais, pas c'est vrai. Que vous. Bah, il faut en profiter parce que ça va pas durer. C'est le seul live de l'année où on est bronzé. On va débronzer assez rapidement. Ouais. Chris, avant de rentrer dans le vif du sujet, une actu, une annonce qui vient de tomber à l'instant. Exactement, c'est tout chaud. On savait que le 12 septembre était une date pressentie pour l'événement Apple, pour le lancement du nouvel iPhone. Et donc on a eu la confirmation. Là, pendant le live, donc c'est bien le 12 septembre. Mais et tu nous as pas déjà fait ce coup-là l'année dernière. Et je crois bien que tu avais fait ce coup-là l'année dernière. J'ai l'impression de revivre ce moment. Ils attendent ça, en fait. Ouais, ils attendent notre live, je pense. Donc, c'est confirmé, le 12 septembre. Dans l'oreillette. C'est ça, et on aura l'occasion de vous reparler de ce que 01net vous prépare pour le 12 septembre, parce que ça va être énorme. Génial. Ah oui, 12 avec, septembre. Avec un grand live, bien sûr, sur 01nettv.com. Pas mal de choses, et puis un cadeau exceptionnel. Voilà. On n'en dit pas plus. On vous en dit pas plus, mais on va vous offrir un cadeau ce soir-là, le 12 septembre, un truc de fou. Bon, savez-vous ce qui fait l'actu à l'IFA en l'an 2017 de notre ère ? Ce n'est pas le robot à tout faire, ce n'est pas des choses absolument incroyables. C'est un truc qu'on utilisait déjà dans les années 80. Oui, c'est la platine vinyle. Et oui, la platine vinyle est toujours là. Bon, c'est une tendance qui s'installe. Ça fait quand même plusieurs mois maintenant qu'on parle des platines vinyle. On en a vu beaucoup au CES. On en voit un peu partout. On voit de plus en plus de magasins proposer des vinyles parce que forcément, si on achète une platine vinyle, il faut acheter quand même aussi des disques qui vont avec. Et alors, chez Technics, voilà, Les nouvelles platines Technics. Classiques. Et Technics qui lance également, mais alors, je ne sais pas si on l'a en image, un modèle super haut de gamme qui s'appelle, je ne sais plus comment d'ailleurs. Mais en fait, ce sont les modèles qu'on est en train de voir qui sont... C'est celle-là. Hein. Voilà, c'est la SP10R. On ne connaît même pas le prix, mais c'est stratosphérique. Alors moi, j'ai quelques infos. Et le prix, ça, c'est les anciens modèles de la même gamme, les SP10, et ça, c'est la toute nouvelle. Voilà, alors le but du jeu, c'est que ce soit hyper stable. Hein, ça c'est la quête de la... Aucun parasite. Aucun mouvement, aucun parasite. L'électronique est déportée. Mmh. Ce truc-là, tenez-vous bien, d'après ce qu'on nous dit, il n'y a pas de prix officiel, ça devrait coûter plus de 10 000 euros. Bon, ça va. Bah attends, quand entre... Pour David Guetta, c'est rien. Près entre 10 et 20 000. La fourchette est large, mais d'après les petites infos qu'on a pu avoir. Voilà, ça c'est pas celle-là, l'autre. Les platines mythiques qui ont bercé des générations et des générations de DJ. Ouais. Ça, les platines 1200. Moi, j'attends le retour des lecteurs de radio cassette. Ouais. Alors, moi, je posais la question au patron de Panasonic. J'ai dit, mais est-ce que vous allez nous sortir des cassettes audio, quoi, des lecteurs de cassettes audio? Il m'a dit, bon, comme le son n'était pas bon à l'époque, je vois pas pourquoi on ressortirait ça. Et ce qui est amusant, c'est pourquoi ces trucs-là coûtent une fortune. Donc, merci de faire ressortir les lecteurs cassettes audio. Ça, c'est pourquoi cool. ces platines aujourd'hui coûtent une fortune, parce qu'elles coûtent cher, hein, on l'a dit, et c'est simplement parce que ils ont du mal à les fabriquer. Ils avaient arrêté les usines, ils n'avaient plus les pièces, ils n'avaient plus les ingénieurs, et quand ils ont vu que ça prenait, ils ont dû tout remettre en route, relancer des chaînes de fabrication, rappeler des ingénieurs, se remettre vraiment sur le dossier. Et du coup, tout ça, ça a un coût industriel et ils nous font payer ces platines très chères. Rappelez-vous les dernières années de vie de la VHS, la magnétoscope coûtait encore très cher par rapport au lecteur DVD à 30, 40 euros. Parce que fabriquer un magnétoscope, c'est beaucoup plus complexe finalement qu'un lecteur DVD qui est une techno hyper maîtrisée. Il y a beaucoup plus de pièces mécaniques, donc c'est pas si étonnant. Très bien, voilà. Voilà, bon, on referme notre petite parenthèse vintage. Hein, oui, absolument. Et Emric, alors avec Emric, là, en revanche, on part dans le futur. Avec le PC le plus puissant qu'on peut voir ici à l'IFA. Alors, tu l'as croisé ? Je ne vais pas me prononcer parce qu'il y a encore un constructeur donc, qui est Lenovo qui doit faire des annonces ce soir. Ouais. Donc pour l'instant, oui, c'est de tous ceux que j'ai vus, il se classe en bonne position quand même. Est-ce que tu as un peu bavé quand tu as vu ce PC ou pas ? Bah écoute, je crois pas. Non ? Non. Ça va ? Non, mais c'est Oui, c'est vrai. Donc son petit nom, c'est Acer Predator Orion 9000. Donc on est dans une autre galaxie. C'est ce qu'on voit là. Voilà, c'est ça. Ah, c'est discret en plus. C'est distingué.
C'est ça. C'est exactement, c'est distingué. On a l'impression de voir des réacteurs de vaisseaux spatiaux un peu. Oui, mais bon, on a déjà vu des bêtes comme ça. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, celui-là a de particulier qu'il peut, dans ses configurations les plus chères, donc on va parler de configuration à 4000 ou 5000 euros quand même, d'accord, embarquer jusqu'à 4 cartes graphiques dernière génération d'AMD, les Radeon RX 9. Vega. Et puis il y a aussi voilà les tout derniers processeurs très très haut de gamme d'Intel, plein de cores, jusqu'à 18 cœurs, encore i9. Voilà. Ah ouais. Donc Acer lance ça. Alors c'est pas le seul à le faire, on est bien d'accord, mais ici c'est le seul à avoir présenté une bête de ce calibre-là. Mmh. Donc voilà, donc il pèse à peu près de 15 kg à vide, 20 kg chargé, hein, c'est pas mal. Et donc si d'aventure vous aviez envie de pouvoir l'emmener avec vous, hein, il y a deux petites manettes sur le dessus. Et puis il y a des roulettes à l'arrière. Ah bah oui, il faut des roulettes pouvoir traîner quand même, oui, parce que bon là, à part avoir un bon... voilà, c'est ça. Donc, voilà. Il faut une attache caravane, c'est Christopher. Voilà, une attache... Oui, ça peut. Alors le prix de départ, c'est pas 4000 euros, hein. Le prix de départ, c'est 2000 euros. Alors pour ce prix-là, on n'aura pas une configuration encore i9, 4 cartes graphiques, tout ça. Mais on aura déjà quelque chose d'assez sympathique pour se faire plaisir. Bon, c'est un peu une vitrine techno, ça. Oui, c'est une vitrine techno, ouais, tout à fait. Et Acer, on n'est pas à sa première, parce qu'on se souvient qu'ils avaient lancé un PC portable Predator 21X, qui était le premier PC portable à écran courbe de 21 pouces. Juste un mot sur AMD qui donc se relance dans le graphique, qui est pas forcément, enfin voilà, qui est malmené par Nvidia. Mm-hmm. Là, ils reviennent avec quelque chose de sympa. Ces cartes graphiques AMD sont sympas ou pas? Alors pour te répondre très honnêtement, elles ont été lancées durant l'été. Et on n'a pas encore le recul, on juste d'arriver à la rédaction. Ben voilà, on va voir ce que ça donne, ça va être intéressant. On va voir ce que ça donne. Parce qu'en général, AMD a un bon rapport qualité-prix. Il faut voir si là, ça sera toujours le cas. Voilà, alors, oui, ça c'est vrai. Mais malheureusement, sur les cartes graphiques haut de gamme, le nerf de la guerre, c'est pas vraiment le rapport qualité-prix, c'est le rapport performance-consommation. C'est ça. Et ça, pour le coup, ça n'a pas toujours été en faveur d'AMD. On verra ça bientôt à la rédaction de Zeronet et au Labo. Voilà. Très bien. Christopher, six coups de cœur, toi, c'est une paire d'oreillettes, c'est ça? Oui, alors il faut que je remette dans le contexte. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film Je suis une légende avec Will Smith. Et bien sûr. Oui. Et donc, c'est dans le futur. Et à un moment donné, il sort de son appartement et il va faire du sport ou du running. Et il se met deux écouteurs dans les oreilles, mais complètement indépendants les uns des autres. Et je dis, mais ce truc, c'est génial. Vivement que ça arrive. Et en fait, là, ça vient. Donc, c'est un peu sur le modèle des AirPods d'Apple, mais c'est pas Apple qui a inventé ça existait un peu avant, mais là ça se démocratise vraiment. Ce sont des écouteurs Bluetooth, donc alors attends, tu veux un coup de main, tenir le micro. C'est dur de tenir le micro et voilà, ça c'est bien. Ou alors il faudrait que tu aies trois mains, mais ça c'est donc, pas ce encore sont possible. Des écouteurs Bluetooth intra-auriculaires. Ouais, mais dit ça ressemble un petit peu à ce que nous a montré Samsung tout à l'heure. Complètement indépendant. Ouais, oui, mais là la tendance c'est que cette année à l'IFA on en voit partout, tous les fabricants en font, donc, et le modèle de Samsung était quand même assez cher. L'année dernière, il y avait un modèle de Onkyo il y a un an ou deux ans qui coûtait dans les 300 euros. Là, ce que j'ai entre les mains, c'est signé Philips, ça coûte 129 euros avec 6 heures d'autonomie, JBL. Et avec, pardon, je peux essayer, parce qu'avoir une petite croix comme ça sur l'oreille, là, ça fait quel effet? On dirait... Bah, ça fait un peu oreillette Canal+, moi je trouve. Je trouve ça beaucoup moins ridicule que... Merci beaucoup, Emery. Je trouve ça beaucoup moins ridicule que finalement les AirPods d'Apple qui pendouillent. Enfin, c'est une question de... Non mais surtout déjà tu l'as pas mis dans la bonne oreille. Déjà tu l'as pas bien mis, hein. Voilà. Parce que ça c'est la droite. LED, faut le mettre dans le pavillon. Tiens, mets la gauche. Voilà, et je trouve ça forcément extrêmement pratique. J'ai pas mis la bonne. Tu n'as plus de câble entre les écouteurs. Ça donne une liberté d'action vraiment hyper sympa. Bon, et après il faut aimer ce type de d'oreillette, hein. Les écouteurs intra-auriculaires, mais si on en perd une, on est dans la mouise, hein. Voilà, ça peut arriver. Oui, c'est ça. Bon, il faut faire attention. Et puis l'autonomie n'est pas aussi bonne qu'un vrai casque. 6 heures. C'est pour ça que... Sur ce modèle, 6 heures, voilà, plus une petite batterie dans le boîtier qui donne 6 heures d'autonomie en plus. Bon, c'est comme les AirPods, mais en plus gros, quoi. En plus beau. Christopher. En plus beau. Non, enfin, c'est énorme. Je suis pas en train de pas mettre ça dans la poche. Je suis pas en train de dire que c'est... Attends, mais non, mais après, je suis sérieux. Attendez, les AirPods, regardez, c'est gros comme ça. Mais c'est moche. Bah c'est moche, mais si c'est moche. Non, juste une chose. Toi même dit que c'était pas une révolution. Les gars, intra-auriculaires, ça fait toute la différence. Il faut peut-être voir la qualité du son aussi, parce que la qualité du son des AirPods est peut-être sympa, mais peut-être qu'avec ces systèmes Philips, on a un meilleur son. On est vraiment surpris. J'ai essayé les JBL tout à l'heure, le son est vraiment cool. Franchement, il est équivalent à celui de... Donc les blanches, c'est les JBL, et les noirs, c'est les Philips. JBL, 149 euros. Bon, donc ça, c'est la norme. Maintenant, les oreillettes. Plus 12 dans le boîtier. Si vous avez 129 euros.
6 heures d'autonomie, plus 6 dans le boîtier. C'est disponible là dans les prochaines semaines. Donc on l'a vu, il y a Samsung qui a lancé les siens, il y a Sony qui a lancé un modèle, bon cette fois à 330 €, c'est un peu n'importe quoi. Mais c'est vraiment une tendance forte de cette IFA 2017 et moi je trouve que c'est une super catégorie. Ouais. Maintenant si vous avez des oreillettes avec des fils, c'est complètement ringard. On termine là, Christopher ? Je ne sais pas si on devait avoir des images de BB-8 ou... Ouais, on a enfin, des images. C'est une info exclue que vous pourrez trouver sur, sur plugin, plugin.01net.com. Voilà, qui est le site bébé de 01net, dédié au lifestyle. Voilà. Et donc, vous invite à découvrir. D'ailleurs, c'est tout nouveau, un plugin. Hein. C'est ça. C'était lancé cet été, allez-y. Vous vous rappelez du BB-8, le petit drone lancé par Sphero. Et donc là, Sphero revient avec deux nouveaux robots pilotables avec son smartphone. Donc il y a le BB-9i, qui sera en fait l'un des robots stars du prochain Star Wars qui sort en décembre, donc un peu plus tard dans l'année. C'est la première fois qu'on voit ce robot vraiment officiellement. Wow. Disney n'en a jamais vraiment parlé jusqu'à présent. Donc ça va être l'un des robots stars qui est pilotable. Et on l'a à la rédaction, donc très vite vous aurez une vidéo, on va vous montrer comment ça marche. Et l'autre c'est R2-D2 qu'on ne présente plus. Et Sphero a fait un travail vraiment exceptionnel pour reproduire les mouvements emblématiques du robot, le fameux balancement de R2-D2 qu'on connaît bien. Il y a un mode patrouille, on peut le laisser... aller et venir dans son appartement, c'est super sympa. Bon, on a hâte de découvrir ça en vidéo. 180 € pour BB-9 quand même. Et ben voilà, on va dépenser 180 € avant Noël, ça c'est clair, et parce que c'est un gadget indispensable. 200 € pour le R2-D2, c'est quand même beaucoup moins cher que ta platine à plus de 10 000 €. Oui, ça fait pas la même chose, hein, excuse-moi. Puisqu'on parle de Star Wars, préciser que demain, normalement, il me semble, c'est le Force Friday. Donc demain, on va apprendre tout, enfin on devrait avoir toutes les nouvelles gammes de super gadgets, jouets, Lego et autres, autour du prochain film Star Wars. Oui, qui sortira à la fin de l'année, puisque vous le savez maintenant, les licences Star Wars, c'est un Star Wars nouveau tous les ans. Hein, c'est ça. Avec les déclinaisons, les spin-offs, etc. Mmh. Christopher, merci. Eh ben, merci à vous. Voilà, et merci aussi à Aymeric Siméon. Je vous en prie, pas de souci. On termine avec la question 01net Orange. Dernier coup d'œil sur la question 01net Orange, consacrée à la télévision, puisque nous sommes à l'IFA. Mmh. Quelle technologie de téléviseur utilisez-vous chez vous ? Donc tout à l'heure, c'était le LED hein, qui arrivait en tête, ce qui est logique, puisque c'est vraiment aujourd'hui... Eh bien voilà, l'écart se creuse avec le LED, c'est normal, hein, 74% de LED. Voilà, l'OLED en deuxième position, 3 plasmas, ça veut dire que ben voilà, hein, certains d'entre vous qui ne savent pas, et ça peut se comprendre, parce que parfois on achète un téléviseur et on se pose pas trop la question de savoir comment il fonctionne. Hein. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez continuer à voter sur notre question 01net Orange. On était super content de vous retrouver pour ce premier 01 Live hebdo de la saison à la rentrée. On était tellement content qu'on a presque fait une heure, François. Hein. Ouais, mais attends, mais t'as vu, c'est exceptionnel. On est ici à Berlin en direct, il y a eu plein de nouveautés. On aura encore plein de trucs à vous raconter, mais bon, il faut bien qu'on s'arrête au bout d'un moment. Ouais. Sur 01nettv.com, d'autres vidéos vous attendent tout au long de ce week-end. Et puis sur 01net.com, toute la rédaction qui est là et qui vous abonde d'articles. Dossier IFA avec un gros récap de toutes les annonces. Tout à fait. Merci à tous, merci de nous avoir suivis, merci à notre équipe technique, Jean-David Duarte, Pierre Thiolin, Thomas Remiret, et on se retrouve bien entendu jeudi prochain, avec toutes les vidéos sur 01net TV. Et merci Arman de nous avoir si gentiment accueillis ici à Berlin. Portez-vous bien et à très vite.